Alors, t'as eu l'opportunité d'entendre la Marseillaise? Est-ce que t'as pu galoper cheveux au vent avec ton cheval sur le tour d'honneur? Est-ce que t'as amené une médaille, un tapis, quelque chose? Je dis ça parce que moi, ça m'est pas arrivé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant, vous le savez, j'ai eu un pied dans le CSO, moi aussi. Enfin, si tu ne le sais toujours pas, tu cliques là. Et moi aussi, fut un temps, j'ai participé à la mode Beuvron, avec Galatée, justement. Donc aujourd'hui, je vous retrouve 7 ans plus tard pour parler de cette expérience. Je me souviens pas de tout, mais justement, j'ai pris mon téléphone avec moi pour pouvoir aller sur mon ancien skyblog Galataram. Je vais avoir des petites surprises, donc c'est parti! Est-ce que je vous mets des screens ou pas? Allez, je suis gentille. Avec Galatée, on avait participé au Generali Open de France en 2012, donc à la mode Beuvron, en club de KD1 Excellence. Est-ce que cette épreuve existe encore? Je ne sais pas. Le CSO et moi... Alors là, j'ai tout oublié. Il me semblait que pour les qualifications, il fallait faire 12 tours sans faute ou 12 concours. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous revient. Et ça, je m'en souviens, il fallait se classer 4 fois dans le premier quart. Donc pour la faire simple, si jamais il y a 4 participants, vous devez obligatoirement arriver premier. Voilà. Du coup, on va lire ça ensemble. On commence tout de suite le vendredi 20 juillet vers 15h. Putain, je vais vraiment lire mon skyblog, c'est chaud. Vers 15h, je mets toutes mes affaires dans mon van. C'est pas le mien, mais celui de ma mère. Bref. Ma mère et Fred installent les ballots de paille et je prépare ma jument et je l'embarque. Je vais peut-être pas tout lire parce que ça va être très très malaisant. Fred, coucou si tu passes par là. Fred, c'est bon, c'est sûrement le meilleur moniteur d'équitation que j'ai eu de toute ma vie et il faudrait vraiment qu'on se revoie. Après 2 heures au moins, on arrive à proximité de l'entrée verte à la motte. Ah, donc j'étais dans les box verts. Je me posais la question justement tout à l'heure. Mais il y a des bouchons. C'est si innocent. J'avais 15 ans, hein, pour vous dire. Après avoir attendu longtemps, je peux sortir les juments, l'emmener dans ce box paillé, nanani, nanana. Et puis on s'arrête là, c'était le vendredi, du coup je faisais mes épreuves le samedi dimanche. Bon, très basique, la semaine club. On passe tout de suite au samedi 21 juillet. Du coup, pour mon anniversaire, on m'avait offert une séance au studio by Mindru. Studio génial. Vous aviez la possibilité de choisir entre 2 fonds et il y avait à peu près une... Ouh, il y a combien de photos? Je ne sais pas, une vingtaine au moins. Vous aviez à la fin une clé USB avec toutes les photos dessus et... une photo en tirage papier, il me semble. Rendez-vous au studio by Mindru, Galatée est infernal. Oh oui, oh oui, oh oui, quelle horreur. Mais Galatée a horreur des photos. Mais encore maintenant. Attendez, ah c'est fou. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, oui, oui. Ce moment était magique. Mais heureusement, ça fait de belles photos. Bah, tu m'étonnes. Ma mère et ma sœur étaient de la partie aussi, et même Gaïa. Gaïa, notre ancienne chienne de l'époque. Donc bah du coup, Émilie, je suis désolée pour l'affiche, mais bon, bah, manifeste-toi dans les commentaires du coup. Oh, c'est trop mignon, j'avais marqué. Tu n'as pas besoin d'être photogénique puisque tu es la plus belle à mes yeux. Ah oui, je me souviens très bien, la séance était à 9h, alors ça je m'en souviens. Alors, il y a des trucs qui me reviennent, ne me demandez pas pourquoi. On retourne tous à la carrière CSO 4, 2 heures avant la reconnaissance. J'étais à la carrière CSO 4. Très bien, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens effectivement pas parce que je me suis perdue sur le site. Avec la jument. Comment est-ce possible une chose pareille? Il est plutôt simple, il commence par un auxerre violet puis un lien vertical rouge. Je vais vraiment décrire toutes les couleurs de tous les obstacles. Ensuite un tournant, ah oui, et effectivement, donc serre couleur sable avec un bidet, tout va bien. Pour finir, ouais d'accord, un directionnel avec une palanque, oui, bon forcément, d'accord, ok, cool. Bon, en fait, c'est pas si simple que ça. Tous les obstacles sont légers, il ne fallait pas que j'oublie de la redresser, de la rééquilibrer, mais toujours en gardant le bon galop. Chose très compliquée avec Galatée à l'époque. L'épreuve commence, je passe 97e. Putain, c'est fou à quel point il y a le nombre de participants. Enfin, ça me... Et puis en poney, il y en a plus que ça. Bon, bref, passons. Donc, j'ai 1 heure devant moi pour préparer ma jument. Je regarde les concurrents et le parcours. Il y avait beaucoup de barres. Hein, bah, oui, évidemment. Hein. Je vais ensuite préparer Galatée. Une fois à cheval, le trou noir. Le trou noir? Je me perds dans la motte. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Même pas. Je n'arrive pas à trouver l'entrée de la détente 4. C'est fou, putain, mais j'ai raconté ma vie sur ce truc.
J'étais quand même à la bourre. Bah ouais, mais non, c'est bon. Ça passe. Ce que je vous propose, c'est que j'ai toujours la vidéo de mon parcours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter mon parcours en live. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé en entier. Donc, à mon avis, je vais me mettre des claques à moi-même. Autant vous dire que c'est ça qui va se passer. Donc, je vous dis à tout de suite. Titre, c'est Cécilia Gérard, le star 97, associée à Galatée pour le collectif de Clérice d'Angonne. 97. Allez ! Allez, Cécilia ! Ok, c'est parti. Bah ma foi, là je mens à un bon galop, je trouve. Premier obstacle, un auxiliaire qui passe très très bien. Le deuxième passe impeccable aussi. Ça va, la courbe était bien montée. Ah, le bidet, comment ça se passe ça? Impeccable. Bon, j'ai jamais eu trop de problèmes avec le bidet avec Galatée, justement. C'était pas son point faible, hein. Ça c'est sûr. Le soubassement, il n'y a pas de problème aussi, ça passe. La ligne, ok, c'était plutôt droit. Et pour l'instant, ça se passe vraiment bien, hein, quand même. Ah, le double. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait, là? Ah oui, un petit pied et trois foulées au lieu de deux. Voilà, ça c'était Galatée. Oh là, ah oui, d'accord, ok. Une courbe mal faite et en plus, manque de rééquilibrage et j'en jette. Ah ouais, j'ai fait la totale, quoi, sur le point P. Ah, c'est dommage. Ok, ça passe bien. Le directionnel et la palanque. Je crois que ça passe pas. Ouais, non, ça passe pas. Non. Oh, le petit pied. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ah, c'est fini. Eh ben, écoutez, je trouve que ce parcours, il était pas trop mal, hein, franchement. Il y a... Ça pourrait être mieux, mais franchement, c'est bien. Attendez, j'ai quand même mis... Résultat, début de parcours nickel, après la jument qui se décale dans le double et qui fait trois foulées au lieu d'une, effectivement, puis elle se désunit et pour couronner le tout, Georgette. J'ai fait une Georgette. La barre était inévitable. Ah oui, pardon. On vient de voir la vidéo, mais bon, je l'ai pas vue, c'est pour ça. Pour le directionnel palanque, c'était un manque de rééquilibrage. Note à moi-même, je dois rester le plus possible à ma place la prochaine fois et bien rééquilibrer. Après le parcours, je rentre au pas et fais marcher la jument dans le beuvron. Ça lui fait du bien. J'espère qu'elle va bien se reposer demain, c'est tout au chrono. Non, c'était pas ça, c'était pas le premier jour c'est Grand Prix, le deuxième c'est vitesse. Non, c'est n'importe. Non mais vous me comprenez, non? Dites-moi dans les commentaires, le CSO, j'y connais plus rien, ok? C'est plus mon problème. Donc, maintenant, c'est aux autres de se manifester, voilà. Dimanche 22 juillet, ce matin, je m'occupe tranquillement de ma jument et je vais faire un petit tour dans le parc. Je passe dans l'ordre inverse du classement du premier concours, c'est-à-dire 31e. Oh, comme les concours de la OUA. On a le temps de regarder un peu le parcours avant la reconnaissance, ça tourne de partout, c'est génial. C'est vrai que j'adorais ça, j'adorais prendre les options, c'était vraiment... c'était ouf quand même. Il y a plein d'options partout, mais le parcours m'embrouille un peu. Non, ne me dis pas que je vais oublier mon parcours. Non, t'as pas fait ça. Il me semble pas, mais on sait jamais. Juste après la reco, ma mère avait déjà préparé Galatée, donc je me mets en selle directement. Mais c'est quoi ces enfants pourris gâtés là qui ne préparent pas leurs chevaux? Cette fois, je ne me perds pas dans la motte et j'arrive en avance. Oui, j'espère bien, oui. Je commence un peu à trotter dans la pré-détente. Ah, parce qu'on avait... Ah oui, il y avait une carrière avant. Une carrière où il n'y avait pas d'obstacle en gros, pour que tu puisses détendre les chevaux tranquillement. Je regarde si j'ai bien... Ma caméra qui tourne parce qu'alors là, ça va être... Voilà. Plus tard dans la carrière, on rend ça pour détendre au galop et sauter. Ah bah c'était même pas une carrière de sable. Ok, très bien. Autant pour moi. Galatée était super chaude. Non. Elle était... C'est vrai qu'elle avait beaucoup de sens, enfin ce jour-là, ce week-end-là tout simplement. C'est vrai qu'elle s'était même mise debout. Ah bah tiens, c'est exactement ce que j'ai dit. Et elle arrêtait pas de me prendre la main et quand on voulait marcher, on trottinait. Sinon, elle saute à merveille. Bah c'est plutôt génial. C'est vrai que la détente se passait vraiment super bien. J'avais une jument super à l'écoute. Et puis les passages de dos, tout ça était impeccable. Donc là, on va regarder la vidéo de mon deuxième tour et vous verrez, et je sais qu'il est plus catastrophique que...
que le premier, donc là par contre, je pense que je vais vraiment rigoler. Allez Cécilia, allez. Bon bah déjà ma plus grosse erreur c'était de lui avoir fait tous ses kilomètres au galop et puis là on peut voir qu'elle est déjà complètement crevée, elle me fait un petit pied sur l'Auxerre, ça ne va pas du tout, elle m'en refait un autre là. Ah bah d'accord, ça commence bien, le point P, la courbe était un peu courte, bon je suis bien d'accord, il faut prendre de la vitesse et tout, mais du coup ça passe pas. Le double, là ça passe, ok. Ensuite, oulala, oui, courbe serrée, ah je crois que j'avais oublié une option, je suis pas sûre, mais ah ouais, putain, fallait vraiment tourner, tourner et galoper. Ok, celui-là ça va. Mais qu'est-ce que c'est que ce saut? Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce parcours? Oh mon dieu! Ah ouais, j'avais bien bien ralenti pour pouvoir tourner devant après la, le directionnel, ça je m'en souviens. Là, le double ça passe pas du tout, faut faire une foulée, là elle m'en fait deux. Elle perd complètement son galop là à la fin, parce que je sais que c'est vers la fin du parcours. Là, elle commence vraiment... Ah, putain, elle commence vraiment à fatiguer, et puis moi aussi. Oh là là, oui. Et puis ah, là, je m'en souviens. Regardez bien, le dernier obstacle. Elle me le refuse, forcément, hein, on était complètement claquées toutes les deux. Et le temps qu'il remonte l'obstacle, bah justement, on a profité pour souffler, hein. Bah forcément, hein, du coup, maintenant c'est mort de chez mort. Mais bon, je vous épargne, je vous ai coupé un bout de la vidéo, et là du coup, je reviens sur mon dernier obstacle qui passe avec une barre, mais bon, je suis quand même fière de la jument. Franchement, je l'ai pas ménagée, je me suis pas ménagée non plus. Franchement, j'aurais dû, j'aurais clairement dû réfléchir ce jour-là. Alors, je vous l'avais pas dit, non? J'ai quand même mis... Bon, on peut pas dire que ce soit la grande perfection. Ma jument et moi étions fatigués à la fin et ça s'est vu. Effectivement. Enfin, j'ai marqué entre parenthèses, enfin j'espère. Oh putain. Honte à moi d'avoir fait des kilomètres avant le premier obstacle et de ne pas avoir rééquilibré. Oui, bah, tout simplement honte à moi d'avoir fait des kilomètres avant le premier obstacle. Bah oui, évidemment. Sinon, les tournants étaient pas mal tracés, même si j'ai oublié plein d'options. Ah, j'ai oublié plein d'options. Bon, bah, écoute, voilà. Et puis, après le parcours, on se détend dans le Beuvron. Je la laisse s'amuser à gratter dans l'eau. Et oui, la passion pour l'eau de Galatée, depuis toujours. Et je la fais marcher surtout. Et oui, c'est très important. En plus, il faisait assez chaud, mais ça devait pas être caniculaire comme en ce moment, par exemple. Voilà. Nous sommes finalement classés 84e sur 104. Écoutez, moi, je suis très très fière de ce résultat. Même 7 ans plus tard, en fait. C'était pas une saison facile avec elle. Les débuts avec Galatée n'ont pas été faciles. De toute façon, je vous l'ai raconté dans la vidéo présentation de Galatée et Tara. Mais pour vous dire un petit secret, je n'ai toujours pas tourné cette vidéo. Bref. Donc je disais, de toute façon, j'étais très très fière d'elle, de toute cette saison de concours qu'on a passé ensemble toutes les deux. Ça a vraiment pas été facile et pour moi, ça a vraiment été une fierté de nous être qualifiés en excellence. Bon, évidemment, en excellence, t'as tous les meilleurs, donc t'as pas vraiment de chance. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si on a une chance en excellence, finalement. Après, voilà, ça restera toujours un moment assez inoubliable. En plus, on était vraiment petit comité, pour le coup. J'étais toute seule à concourir, enfin, dans mon club, j'étais toute seule à concourir en club. Donc du coup j'avais vraiment ma famille et mon coach pour le coup et c'était vraiment un moment sympa. Ouais, c'est une poussée d'adrénaline, c'était vraiment des super souvenirs et je regrette absolument pas. J'en ai encore plein la tête, j'ai des photos, j'ai plein de choses. Vraiment, si vous allez à la motte, kiffez, franchement, kiffez, kiffez. Tant pis, amusez-vous, mais franchement vous prenez pas la tête. C'est
c'est un moment de compétition, de partage avec vos chevaux surtout. Enfin, ouais, non. C'était vraiment bien, c'était vraiment, vraiment. Ah, j'ai même marqué, notre premier à la mode restera inoubliable, même si ce n'était pas parfait. Notre complicité a quand même payé. Et puis, on s'est quand même bien amusé. Ça me fait vraiment bizarre de se replonger dans les souvenirs là, mais ça m'est venu comme ça. Je m'étais dit, tiens, c'est la période de la mode club. Pourquoi est-ce que tu ferais pas une vidéo comme ça où tu racontes un peu tes histoires? Parce que le CSO, ça fait vraiment un bail. Et je ne regrette pas de ne plus en faire, non. Je regrette pas d'avoir changé de discipline, d'avoir changé d'équitation, honnêtement. Mais Galatée, j'ai passé des moments vraiment forts avec elle en concours. Et autre que les concours évidemment, mais là c'est parce qu'on parle de la motte. Mais si vous voulez des informations supplémentaires, écoutez, je vous laisse mon Skyblog dans la barre de description. Alors soyez indulgents, j'avais 15 ans quand j'ai écrit ce truc là, j'avais 14, 15 et j'avais 16 ans grand maximum quand j'ai écrit ça. Alors bon, moi j'ai envie de m'arracher les cheveux franchement quand je vois des trucs comme ça. Mais bon, ça fait vraiment des bons souvenirs et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que votre la motte s'est bien passée. Si vous n'avez pas concouru, j'espère que vous avez fait votre shopping parce qu'à la motte c'est vraiment incontournable, on est bien d'accord. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que Galatée n'aime pas les photos pour ce genre de choses, voyez-vous? En même temps je la fais chier, c'est normal. Oui.